Alors, les commentaires de Toto Wolff suite à la signature de Mick Schumacher, ce serait intéressant de savoir ce qu'il en pense. Wolff a commenté que Mick Schumacher sera prêt et attendra si l'opportunité se présente de prendre la place de Russell ou Lewis, par exemple, si un des deux est covidé ou je ne sais quoi. Nous savons aussi qu'avec 2 ans d'expérience en Formule 1 à son actif, il sera prêt à monter dans la voiture au pied levé pour remplacer Lewis ou George, si le besoin s'en fait sentir. Mick a passé 2 saisons complètes en Formule 1 tout en pilotant pour Haas, il faisait partie de l'équipe junior Ferrari, mais s'est maintenant séparé des Italiens. L'Allemand a impressionné lors de sa première saison en battant régulièrement Mazepin. Bon, après, Mazepin, voilà, c'est pas non plus un foudre de guerre, mais il a eu un peu plus de mal contre Kevin Magnussen, le revenant. Malgré tout, le jeune homme de 23 ans a une bonne expérience, il a marqué 12 points dans sa carrière en F1 jusqu'à présent, il a obtenu une 6e place au Grand Prix d'Autriche 2022, ce qui est considéré comme son meilleur résultat. Wolff a tenu à souligner son talent et son approche de la conduite en Formule 1. Mick est un jeune pilote talentueux et nous sommes ravis qu'il ait rejoint l'équipe. Il travaille dur, a une approche calme et méthodique, et a encore faim d'apprendre et de s'améliorer en tant que pilote. Ce sont toutes des qualités importantes, et nous sommes ravis qu'il nous aide à développer la W14. Ouais, puis c'est quelqu'un de positif, de pas toxique comme pilote. C'est un pilote bienveillant, je pense, Mick Schumacher, donc contrairement à son père qui ne l'était pas forcément, à certains moments, on va dire. Donc c'est bien qu'il rejoigne Mercedes, et ça fait toujours un peu de publicité à Mercedes hein, qu'un nom Schumacher rejoigne à nouveau l'équipe. Donc voilà. Et ça fait un pilote allemand dans l'équipe, mine de rien. C'est important. Voilà pour cette réaction de Toto Wolff.